Xavi. Andrew, no sé si pots fer una mica de balança com han anat els dos partits amb la selecció francesa, com t'has trobat i una miqueta aquí, amb quines sensacions són les que van cap a Andorra. T'hi ha compris? Le début. Après ces deux matchs avec la sélection de l'équipe nationale, comme retourné à Clap, et surtout si tu peux faire une valoration de cette fenêtre FIBA. En tout cas pour moi, ça s'est super bien passé. On est à 4 sur 4, donc nous, l'objectif est atteint pour l'instant. On a fait le travail, on a eu. En tout cas, un match très difficile contre la Russie, mais on l'a gagné. Donc voilà, pour l'instant, on est très très bien et ça se passe super bien en sélection. Per mi, he de dir que ha anat super bé. Estem 4 de 4 amb la selecció i estem acomplint l'objectiu que teníem. Vam tenir un partit molt difícil contra Rússia i només puc dir que les coses estan sortint molt bé i que estic molt content d'aquesta nova convocatòria de la selecció. En aquests moments està vivint el moment o un dels moments més dolços de la seva carrera esportiva, se'l veu doncs, molt bé de forma, de confiança, de tot. Si creu que això també s'està traduint en el seu rol a la selecció francesa. C'est peut-être un des meilleurs moments de ta vie sportive maintenant. Et si tu crois que ça, après, avec l'équipe nationale, on se voit ça. Tu transmets ça aussi à ton club et à l'équipe nationale. Oui, c'est vrai que je suis dans une étape de ma carrière où je suis bien, où l'équipe elle marche bien. C'est vrai qu'on est sur 4 victoires d'affilée. Avec la sélection, je suis à 4 victoires aussi. Donc voilà, on est en pleine bourre et j'espère qu'on va rester toujours dans cette même état d'esprit. Voilà, tout simplement, on a un gros match contre Tenerife qui est un concurrent direct pour nous pour les playoffs. Voilà. Je pense qu'on va bien se préparer, on n'a pas beaucoup de jours, on a récupéré tout le monde, donc voilà, on va se préparer vraiment pour battre Tenerife chez eux. Diu, tens raó, és cert, estic en un bon moment. Amb l'equip, per exemple, estem amb 4 victòries consecutives i amb l'equip nacional, com et deia, les coses també han anat molt bé i esperem que seguim en aquesta línia. El nostre objectiu ara és el play-off, hem recuperat jugadors i crec que estem preparats per intentar aconseguir-lo. Bonjour Andrew, considérant la classification, combien d'importance est le match contre Tenerife pour lutter pour les playoffs? Très important, on sait qu'on est dans la même position, même victoire, même défaite, et on sait que Tenerife c'est une équipe solide qui joue bien chez eux surtout. Donc si on peut aller prendre ce match-là, sachant qu'on les a déjà battus à la maison, ça fait que ça peut compter double pour nous. Donc c'est un match quand même très important pour la suite du championnat. El partit contra Tenerife és molt important, ells porten les mateixes victòries i derrotes que nosaltres. Tenerife és un equip sòlid i més a casa seva, però havent-los guanyat com els van guanyar la primera volta aquí, és una victòria que en cas d'aconseguir-la comptaria doble per nosaltres. Per tant, el partit de diumenge és molt important. El partit de la primera volta aquí va tenir una anotació molt curta, no? Crec recordar, el partit marcat per les defenses, creu que serà un partit semblant al que ens espera allà el diumenge? Le match de première tour a été très défensif ici à la notre salle. Tu attends un match égal ou différent pour dimanche? Ce serait plus simple pour nous d'être dans le même match ou plus défensif. Voilà, après, on sait que ça va être difficile chez eux. Hein, et on sait qu'ils sont très forts, ils sont beaucoup plus adroits qu'à l'extérieur. Mais si on arrive à imposer notre physique, notre défense contre eux, on peut vraiment les gêner. On a les armes pour ça en tout cas. Je crois qu'il parle aussi du score. Il y a été un score très bas. Et tu penses qu'on peut faire un score comme ça ou... Si on est en place, oui. Moi je pense que quand on défend très bien, on peut arrêter beaucoup d'équipes et les mettre à des points très bas. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Si nosaltres defensem bé i estem al nostre nivell i juguem físicament al nostre nivell, podem ser un equip molt complicat en defensa i podria ser que es donés un resultat similar al de la primera volta, però cal tenir en compte que ells són molt difícils i a casa seva encara més. Andrew, vous n'avez pas entraîné hier, no? Sí. Sí, ah d'accord, pardon. Parce que j'ai joué dimanche, moi, contrairement aux autres. Et comment vous sentez physiquement?
Fatigué Hier, un peu fatigué, mais bah, après, c'est un peu normal, après l'enchaînement des matchs. Mais voilà, on va reprendre le rythme des semaines avec l'équipe et ça va aller. Moi, je suis quelqu'un qui récupère assez vite, donc ce ne sera pas un problème. Que ahir sí que estava una miqueta cansat, però que avui ja doncs, va agafant el ritme i que creu que tot anirà bé, que no hi haurà cap problema. Leo Fuenlabrada, la Pret, s'apel la Pret, la sessió... Què li vols dir? Lo del Karnowski. És una sessió és la Pret, no? O no? Après. Je ne sais pas comment ça dit en français. C'est ça, après. C'est... Bon. Après, je ne sais pas si on l'a... On... Presta, no? Sí. Sí. Bon, Karnowski va jugar a Fuenlabrada. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être mieux pour lui, pour grandir et pense, l'été oui. Retourner plus fort. Après, je ne sais pas son contrat par rapport à Andorre, s'il va revenir l'année prochaine, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne option pour lui, pour sa carrière, parce que je pense qu'il a besoin de jouer. C'est sa première année pour lui en professionnel. Il a besoin de jouer. Peut-être ici, il y avait un peu moins de temps de jeu avec des joueurs qui sont arrivés. Donc voilà, si c'est bien pour lui, tant mieux, je serai content pour lui. Moi, je veux qu'il s'épanouisse. Il a fait ce qu'il pouvait ici, il nous a aidés. Et je lui en remercie fortement. Maintenant, voilà, il fait sa carrière, c'est comme ça. Et moi, je respecte totalement son choix du club et de lui. Et nous, on va essayer d'avancer sans lui. Voilà. Sobre el tema de Karnowski, diu que respecto totalment la decisió que ell hagi pres i també la del club, que ens ha ajudat i que per això doncs, li dono les gràcies, i que sobre aquesta decisió de Fuenlabrada, doncs, no sé com està el seu contracte, però per mi és una bona opció, és el seu primer any de professional i és una bona opció que segueixi jugant i estic content per ell. Sí, estem? Si no vas voler foa, eh? 5 minuts abans i ja la cara.